Schiele n'est pas toujours vu comme un coloriste, mais un dessinateur. D'ailleurs, l'exposition insiste sur la ligne. Mais évidemment, ce qu'on voit dans cette exposition, c'est que la couleur joue un rôle essentiel. La couleur vient en appui. Elle donne au corps une teinte très étrange entre le mort et le vivant. Elle vient surligner des détails, elle vient camper la chair, elle vient animer le dessin, en quelque sorte. C'est aussi ce qui est fascinant dans cette œuvre, c'est que finalement, sa peinture est très aboutie. Mais ce qu'on retient souvent de lui, c'est l'aspect fragmentaire, esquissé, mais pourtant fini, de son dessin. Et ce que l'on célèbre, c'est justement cet aspect-là, cette ouverture du trait, cette animation qui passe par le fragment ou la mise en couleur de quelques détails.